La Provence, de l'ancien Provençal Provença, dérivant du latin Provincia, la province est une région historique et culturelle, ainsi qu'un ancien état indépendant et une ancienne province en tant qu'état associé à la France. Avant de disparaître à la Révolution française, pour réapparaître en grande partie sous la forme recomposée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme pour tout territoire disposant d'institutions politiques, les délimitations géographiques de la Provence ont évolué avec le temps. La partie sud est délimitée par la mer Méditerranée. Le Rhône sert dans les grandes lignes de frontières naturelles à l'ouest, mais il faut intégrer également une partie de l'Ardèche, Vivarais, devenue ensuite Languedocienne. Pendant la période de suzeraineté franque, et durant la période indépendante du royaume de Provence, et du royaume d'Arles. C'est également à ces mêmes périodes, que la frontière nord de la Provence ancienne, était positionnée un moment à Vienne et en Brun, avant de progressivement s'abaisser pour la partie occidentale à Valence, puis au Vaucluse dont une partie se transforma en État théocratique du pape, alors que le pays gapensais deviendra par la suite la partie sud du Dauphiné. Enfin, la partie est correspond grosso modo, à son origine aux limites frontalières alpines, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais finit par se réduire en direction de l'ouest après la guerre de l'Union d'Aix qui se traduit par la dédition à la Savoie des Vigueries et bailli de l'Est-Provence, qui formeront progressivement les terres neuves de Provence, puis le comté de Nice. Ces évolutions ont pour effet de réduire la Provence essentiellement au département des Bouches-du-Rhône, du Var, le département, dont l'arrondissement de Grasse, avant sa fusion avec l'ancien comté de Nice. Les Alpes de Haute-Provence, anciennement appelées les Basses-Alpes, et quelques communes de Vaucluse, en ne mettant le compte à sinon on intègre le Vaucluse. Et les Hautes-Alpes Frédéric Mistral, dans son dictionnaire L'Ou-Trésor d'Ou-Félibrige, de 1878, définit les limites de la Provence comme suit. Pays de France, borné à l'Orient par les Alpes. Au Midi par la Méditerranée, à l'occident par le Rhône, et au nord, par une ligne qui peut aller d'embrun à Saint-Paul Trois-Châteaux. Nice et Monaco, en font partie, et Aix-en est la capitale. La Provence, de son origine jusqu'à l'actuelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a compris tout ou partie des entités suivantes, le comté de Provence, le Marquisat de Provence. Rome et Vaucluse, le comté de Nice, le Dauphiné, hautes alpes le comté à Venessa, la principauté d'Orange, les communes de Tende et de la Brigue, les belles de Demonte et du Val de Stura, et enfin, la principauté de Monaco. Les langues de la Provence étaient le latin, acte administratif et religieux, et l'ancien Provençal, Remplacé par l'occitan, ou occitan langue d'oc, autrefois appelé langue provençale, ou langue d'oc moderne, regroupant, en Provence, les ensembles dialecto-provençal et vivaro-alpin, exprimés à travers l'Alpin, le maritime, le niçois, le rhodanien, le gapensais, et d'autres sous-dialectes locaux. Au XXIe siècle. Le français est couramment employé sur l'ensemble de ce territoire, mais les sous-dialectes des ensembles dialecto-provençaux et vivaro-alpins de l'Occitan subsistent encore par le biais d'associations et de personnes natives avec cette langue. La Provence doit son nom à l'époque romaine, première conquête de la Gaule transalpine, entre 58 et 51 avant Jésus-Christ. Selon Victor Chapeau, membre de l'Institut de France, elle est intégrée à la province romaine, en latin provincia, sous le nom de Viennoise, dont la capitale est Vienne, sous le règne de Dioclétien. Ce gouvernement est prélevé de l'ancienne Narbonnaise, qui elle était constituée de territoires situés à l'ouest. Le nom latin de provincia, qui a donné en langue provençale, la forme Provença. Cette forme a évolué en provençal, puis en Provença, dans le dictionnaire du Provençal Simon Judonora, et enfin par influence du français, dans l'écriture provençale en provençal codifiée provençal par les partisans de Roumanie, et de l'écriture phonétique, dite mistralienne ou moderne, vers la fin du 19e siècle. Les classicistes, Proposeront dans leur réforme de retrouver une écriture plus originelle, à savoir celui de Provença, que l'on peut retrouver dans plusieurs cartes datant du début du XXe siècle. Cependant ce sera finalement Provença, qui sera choisi à la forme moyenâgeuse, puisque celle-ci comprend le CCD représentant le C étymologique de Provincia. César, dans la guerre des Gaules, dix passer deux provincia en Arbonancy. Historiquement, après la fin de l'Empire romain, Provence désigne l'entité incluse en 536 dans le royaume franc et devenue marquisat de Provence dans le cadre du royaume de Bourgogne Provence de 947. Elle devient ensuite comté de Provence avec pour capitale Arles puis Aix-en-Provence, la ville d'Arles subissant des attaques continues, du comte de Toulouse, marquis de Provence, mais des frontières fluctuantes, en 1388, à la suite de la mort de la reine Jeanne, ces territoires, situés à l'est du Var, sont perdus, rattachés aux États de Savoie, par la dédition de Nice à la Savoie. Aboutissant dans un premier temps, aux terre neuves de Provence, puis au Comté de Nice, à partir de 1526. Un siècle plus tard, en 1481, le Comté de Provence revient par succession au roi de France Louis XI, et devient ainsi une province française. Au Moyen-Âge, la Provence englobe ainsi les Alpes du Sud, Jusqu'aux affluents de rive gauche du Var inclus. Une partie des régions alpines, en est ensuite détachée, au nord celle englobée dans la province du Dauphiné, et à l'est celle du Pays niçois, concédée à la Maison de Savoie en 1388, sous l'appellation des Terres-Neuves de Provence. Cette acquisition savoyarde, au détriment de la Provence, Donne naissance 2526, à 1860, à la division administrative du comté de Nice. A la Révolution, la Provence est divisée en trois départements, Basses-Alpes, devenu Alpes de Haute-Provence à partir de 1970, Bouches-du-Rhône, et Var. Le département de Vaucluse est créé en 1793, à partir d'Avignon, du Comtat Venessin, et de la partie nord des Bouches-du-Rhône. Les Alpes-Maritimes sont créées en 1860, à partir du Comté de Nice, et de la partie est du Var, l'arrondissement de Grasse. La Provence au sens large, fait aujourd'hui partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et correspond approximativement, au département des Bouches du Rhône, du Var, des Alpes de Haute-Provence, de Vaucluse et des Alpes-Maritimes, à l'exception de la vallée de la Roya. Le sud de la Drôme, bien qu'historiquement partie du Dauphiné, est appelé depuis quelques décennies, la Drôme provençale. Il peut être rapproché de la Provence par la langue parlée, le fait que l'évêché de saint paul trois châteaux appartenait à la province métropolitaine de Provence, archevêché d'Arles, que la région de Bouchet, appartenait au comtat venessin, au comtat, ou que le Diois et le Valentinois, étaient vassaux du marquis de Provence. Par la suite, certaines enclaves authentiquement provençales, se sont perpétuées dans le sud de la Drôme, comme le comté de Grignan, incluant les villages voisins de Réauville. Montjoyer, Salle, Colonzel, Alan, l'enclave provençale de l'an, s'écrivant l'an au XVIIIe siècle, l'enclave de Saint-Ma, Rémusa, Cornillon et Pomerolles, Eygalai. Et tous ces villages se réclament de la Provence, avec des bases historiques réelles. Le littoral provençal a été colonisé par les Grecs. Vers 600 avant Jésus-Christ, les Phocéens s'installent à Marseille, en grec, Massalia, en latin, Massilia. Ils essaient Nice, Nicaïa, Antibes, Antipoli, Lière, Olbia, Sifour-les-Plages, toroïs Arles, La Ciotat, Citarista, Brégançon, Pergantion, Monaco, Monoïco, Athénopolis, ainsi que sur certaines parties du littoral languedocien comme à Agde, Agathée, ou au sud de Nîmes au nord ils fondent le Pègue près de Valréa et s'arrêtent à la Lopi à l'est de Montélimar antérieurement à l'invasion et la colonisation romaine la région était principalement peuplée de ligures qui se sont ensuite mêlés à quelques soldats celtes et fondèrent ensuite ce que l'on appelle aujourd'hui les Ligures ou Lugiens. Au début de la Deuxième Guerre punique, Scipion est envoyé par Rome pour protéger Massilia, cité alliée, cible supposée de Hannibal, qu'il pense trouver vers les Pyrénées, et bloquer ainsi son passage par la côte. Hannibal n'a pas réussi à mettre les tribus gauloises de son côté et ses troupes sont attaquées depuis la péninsule ibérique, a été ralenti mais il est malgré tout déjà plus au nord. Les tribus de la région de Massilia, future provincia, alliée de Rome, sont évitées vers le milieu du mois d'août 218 avant Jésus-Christ. Ce sont 38 000 fantassins, 8 000 cavaliers et 37 éléphants, qui traversent la provincia et passent le Rhône. À quatre jours de marche au nord de Marseille, soit à la hauteur du village actuel de Caderousse. Quand Scipion comprend son erreur, il laisse ses troupes continuer sur Libérie mais revient pour préparer ses légions, dans la plaine du Pau. Massilia est épargnée. La Provence subit seulement des dommages dans les villages gaulois qui n'ont pas voulu laisser passer les colonnes, bataille du Rhône. D'autres, Fournissent des guerriers pour lutter contre les velléités romaines et ne pas se laisser servir comme les tribus gauloises, récemment pacifiées du nord de la Botte, gaulle cisalpine, dont certaines se rebelleront aussi. Lors des invasions, les Visigoths et les Alains pillent de nombreuses cités, jusqu'à Orange et Avignon. En 442, les Burgondes s'installent dans la vallée du Rhône et choisissent pour capitale la ville de Vienne, qui gardait son prestige de grande et opulente cité romaine. Avignon marqua la pointe sud de ce royaume. Les Ostrogoths fondent au sud du royaume des Burgondes, un duché dépendant de leur royaume italo-dalmat, le duché de Provence, futur basse Provence ou comté de Provence, la partie Burgonde deviendra le marquisat de Provence. En 536, Tibère Ier fait rentrer la Provence dans le domaine franc. Charles Martel combattra plus tard le patrice de Provence, Nantes, allié des morts de Gauthier, et le vaincra en 736. En 843, le traité de Verdun donne la Provence à Lothaire Ier. Son fils en Charles de Provence est encore un enfant de santé fragile souffrant d'épilepsie. Aussi l'administration de son domaine est confiée à son précepteur, Gérard de Vienne, qui sera chargé de repousser les raids des Sarrasins encore présents en 842 dans la région d'Arles. La cour réside à Vienne qui devient la capitale de ce royaume au détriment d'Arles jusqu'au début du Xe siècle. Le royaume de Provence viennois, ou de Bourgogne si Dura de l'an 855 à 863. À la mort de Charles, la Provence est intégrée à l'Italie, et le Viennois à la Lotharingie de Lothaire II. Après une période trouble, la Provence est de nouveau incluse dans le domaine impérial, par le traité de Meersen, en 870. Le 11 janvier 887, il meurt à Vienne. Et est inhumé dans la cathédrale Saint-Maurice. Son épouse Hermangarde, fille de Louis de Jeune, est nommée régente du royaume de Provence, avec l'aide de Richard le Justicier, frère de Boson. Louis III l'Aveugle, fils de Boson et de Hermangarde, se fait élire et couronner roi d'Italie le 5 octobre 900, puis empereur d'Occident, de février 901. À juillet 905, rendu aveugle, il revient à Vienne, sa capitale, d'où il règne sur le royaume de Provence. Dans les années 880, quelques sarrasins, provenant de l'Émirat d'Al-Andalou, échouent par hasard sur le rivage varois et établissent une base au Fraxinetum, ou Fresnay, que l'on situe traditionnellement dans la région de la gare de Fresnay d'où il lance des raids, notamment dans la Basse-Provence orientale. Hugues d'Arles mène deux attaques victorieuses contre eux, en 931 et 942, avec l'aide de navires byzantins, mais sans pousser l'avantage jusqu'à leur expulsion. En 947, le boson d'Arles, comte d'Arles, est investi de la Provence. À sa mort, ses deux fils, Guillaume Ier, dit le libérateur, et Roubaud, se partagent en indivis le comté, indivision que maintiennent leurs descendants. La lignée des bosonides est ainsi divisée entre la branche cadette, issue de Guillaume qui donne celle des comtes de Provence, et l'aînée issue de Roubaud, qui donne les marquis de Provence. En 972, à la suite de l'enlèvement de Mayol de Cluny, Abbé de Cluny, Guillaume Ier et Roubaud, avec l'aide de seigneurs provençaux et du marquis de Turin, libère la Provence des Sarrasins qui depuis le massif des morts, au-dessus de Saint-Tropez, pillait la région. La bataille de Tourtour, marque la victoire définitive de Guillaume Ier sur les Sarrasins. Cette campagne militaire contre les Sarrasins, obtenue sans les troupes de Conrad III de Bourgogne. Masque en fait une mise au pas de la Provence, de l'aristocratie locale, et des communautés urbaines et paysannes, qui avaient jusque-là toujours refusé la mutation féodale et le pouvoir comtal. Elle permet à Guillaume Ier d'obtenir la suzeraineté de fait de la Provence. Il distribue les terres reconquises à ses vassaux, arbitre les différents, et crée ainsi la féodalité provençale. Nommé marquis en 975, Guillaume Ier, fait d'Arles sa capitale. En 1019, Emma de Provence, comtesse de Provence, se marie à Guillaume III de Toulouse, comte de Toulouse, transmettant les droits de la lignée de Roubaud à la maison de Toulouse. En 1112, Douce de Gévaudan, héritière des droits de la lignée de Guillaume, épouse Raymond Béranger III de Barcelone, comte de Barcelone, qui devient Raymond Béranger Ier de Provence. Les maisons de Toulouse et de Barcelone entrent alors en conflit pour le marquisat, pour aboutir à un traité en 1125, entre Raymond Béranger et Alphonse Jourdain de Toulouse, qui partagent le comté entre un marquisat au nord de la Durance. Donné au Toulouse, et le comté au sud, donné au Barcelone, lesquels s'opposent entre 1144 et 1162, à la Maison des Beaux, au cours des guerres Beaux V. En 1193, Alphonse de De Provence, épouse garçon de De Sobran de Forcalquier, ce qui donne naissance au comté de Provence Forcalquier. Pendant cette période, le comté d'Orange, Vassal de Provence, est érigé en 1181 en principauté. En 1245, meurt Raymond Béranger IV de Provence, dont les quatre filles sont mariées respectivement, Marguerite de Provence, à Saint-Louis, Sancy de Provence, à Richard de Cornouaille, Éléonore de Provence, à Henri III d'Angleterre, et Béatrice de Provence à Charles Ier d'Anjou, comte d'Anjou et du Maine, frère de Saint-Louis. C'est cette dernière qui reçoit en héritage les deux comtés de Provence et Fortcalquier, les transmettant à la première maison capétienne d'Anjou. C'est pourquoi la ville de Fortcalquier est surnommée la Cité des Quatre Reines. Mais, le comté de provence forcalquier est démembré, conformément au traité de Mauparis. 1229, qui marque la fin de la croisade des Albigeois, à la mort d'Alphonse de Poitiers, en 1271, le marquisat passe au roi de France Philippe III, qui le cède dès 1274, au pape Grégoire X, pour devenir le comte à Venessin. En 1382, avec la mort de la reine Jeanne Ier de Naples, S'achève la première maison capétienne d'Anjou. La reine avait adopté Louis Ier, frère du roi Charles V, fait comte, puis duc d'Anjou, fondateur, après une période de troubles, appelée guerre de l'Union d'Aix, de la seconde maison capétienne d'Anjou. Cette dynastie prendra fin en 1481, avec la mort de Charles III du Maine. En 1388, à la suite des troubles, et de la guerre civile qui accompagne la succession de la reine Jeanne, la ville de Nice et sa viguerie, la division administrative correspondante, la cité de Puget-Aigné, ainsi que les vallées de la Tinée et de la Vésubie, se constituent en terre-neuve de Provence, et se mettent sous la protection de la maison de Savoie, c'est la dédition d'Onis nice à la Savoie. Ces terres prendront le nom de comté de Nice en 1526. Accumulant les titres royaux, Naples-Sicile, Jérusalem, Chypre, Acre, Thessalonique. Les comtes de Provence de la seconde maison capétienne d'Anjou, se prévalent de leurs titres de roi, en particulier le célèbre roi René. Le 10 décembre 1481, le comte Charles III dicte un testament, qui institue le roi de France, Louis XI, comme légataire universel. Charles III meurt le lendemain, 11 décembre. Le 19 décembre, Louis XI charge Palamède de Forbin, de prendre possession de la Provence. Le 29 décembre, les états se réunissent sous la présidence de Pierre de la Jaille afin de prendre connaissance du testament de Charles III. Forbin convoque les états pour le 15 janvier 1482. Les actes rédigés et adoptés de janvier 1482 à avril 1487 entérinent l'union de la Provence et de la France. Comme un principal à un autre principal sans qu'à la couronne de France, comté et pays de Provence ne soient subalternés. En août 1486, les États demandent à Charles VIII de proclamer définitive et éternelle l'union de la Provence à la France. Le roi de France leur donne satisfaction, par des lettres patentes d'octobre 1486, communiquées aux États le 9 avril 1487. Juridiquement, il ne s'agit que d'une union personnelle des couronnes, le roi de France n'agit en Provence qu'en tant que comte de Provence, et il en sera ainsi jusqu'à la Révolution française. Qu'il plaise à votre Majesté de s'intituler comte de Provence, de façon que nous ne soyons nullement tenus d'obéir à aucune lettre dépourvue de ce titre. À l'époque classique. La sagesse populaire clamait que les trois mots de la Provence étaient la Durance, le Mistral et le Parlement d'Aix. La Provence est néanmoins touchée précocement par les guerres de religion, dont le prélude est le massacre de Mérindol 1545 et qui ont lieu de 1562 à 1598 au moment du massacre de la Saint-Barthélemy. Août-octobre 1572, le gouverneur Sommerive, pourtant catholique intransigeant, y empêche le massacre des protestants. Après la mort d'Henri III, une majorité de la France, et notamment la Provence catholique, refuse Henri de Navarre comme roi, du fait qu'il est protestant, ce qui déclenche la huitième guerre de religion. Les parlementaires royalistes, minoritaires, s'établissent à Pertuis, en concurrence du Parlement d'Aix. La Ligue prend le pouvoir dans la plupart des villes, et facilite l'entrée du duc de Savoie Charles-Emmanuel en Provence, où le Parlement lui donne les pouvoirs civils et militaires, après sa victoire arrière, fin 1590. Le duc de Lesdiguières et le duc d'Épernon, le battent au début de 1591 à Esparon. Et à Vinon, puis à Pontchara le 17 septembre. Il quitte définitivement la Provence le 30 mars 1592. Le Parlement d'Aix reconnaît Henri IV comme roi légitime, après son abjuration, en janvier 1594. Au début de juillet 1608, les faubourgs d'Aix-en-Provence sont recouverts d'une pluie de sang. On croit à l'œuvre du diable, à des vapeurs sorties d'une terre rouge. Nicolas Claude Fabri de Peresque en recueille quelques gouttes sur la muraille du cimetière de la cathédrale. Il découvre que c'étaient les excréments des papillons qui avaient été observés récemment. Cette explication scientifique ne calme pas la terreur populaire. 1720, 1722, la Grande Peste. Partie de Marseille, envahit la Provence et la dévaste, ainsi que les États pontificaux, comtat Venessin. Pendant la période révolutionnaire, la Provence est surtout marquée par la Terreur blanche. Provençaux et Balanguedociens s'engagent massivement dans les compagnies du Soleil, en particulier en comtat Venessin, où se retrouve une bonne part de la noblesse du Sud-Est exilée. La région du Comtat. Gagne alors le surnom de Vendée Provençale. A la suite de la Révolution française, la Provence est divisée en trois départements, Bouches-du-Rhône, Var, et Basses-Alpes. Le Comté Venessin et le Comté d'Avignon, terre pontificale, sont dans un premier temps, lors de leur intégration à la France, divisés en Bouches-du-Rhône au sud, et Drôme au nord. La principauté d'Orange est rattachée à sa demande aux Bouches du Rhône. Cependant, comme on trouve ces deux départements démesurés, on décide de créer un département intermédiaire, le Vaucluse, du nom de la vallée, dans laquelle se trouve la source de la Sorgue, aujourd'hui fontaine de Vaucluse, pour éviter toute confusion. Ce nouveau département est composé des anciens États pontificaux de la principauté d'Orange, du Luberon occidental, et du comté de Sault, anciennement terre adjacente de Provence. Sous la Seconde République, la Provence se caractérise par l'enracinement d'un républicanisme socialiste rural. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, la Provence est une des régions de France où la résistance républicaine s'organise le mieux. Face à l'acte anticonstitutionnel de Louis-Napoléon Bonaparte, une insurrection en grande partie spontanée se déclenche. Le 14 juin 1860, le comté de Nice est officiellement rattaché à la France. 472 ans après le séparatisme entraîné par la guerre de l'Union d'Aix, le département des Alpes-Maritimes, Deuxième du nom, est créé par l'addition de l'arrondissement de Grasse. La Provence est également marquée par la révolution industrielle au cours du XIXe siècle. L'exploitation de la houille se développe industriellement entre Aix et Marseille, ainsi qu'autour du Réran, dans le massif du Tanneron. Dans les années 1890, le sol riche en bauxite permet le développement de l'industrie de l'aluminium, plus particulièrement dans les bouches du Rhône. Il s'implante alors les usines de Gardanne, Péchinet, et de Saint-Louis-les-Eilles-Galades, à l'Uzuis, en 1893, de la Barrasse, Ugine, en 1908, et de Saint-Auban, Péchinet, en 1917, Auquel on peut ajouter celle de Salindre dans le Gard, berceau de l'aluminium de Péchinet. Cette industrialisation s'accompagne du développement du chemin de fer. La ligne Paris, Lyon, Marseille, est inaugurée en 1849 par Napoléon III, ce qui lui vaut le titre d'artère impériale. La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sera chargé de l'exploitation du réseau provençal jusqu'en 1938. Dans le même temps, la Provence et particulièrement la côte d'Azur, devient un lieu de villégiature pour l'aristocratie européenne, et prise de climatisme hivernal. Le régina et l'impérial accueillent respectivement la reine Victoria d'Angleterre et la famille impériale de Russie. Le phénomène se démocratisera au cours du XXe siècle, par l'ouverture de la route des Grandes Alpes, puis l'utilisation massive de la route nationale 7, après l'instauration des congés payés. Pendant la Première Guerre mondiale, la Provence n'est pas touchée par les combats. Cependant, après la mobilisation générale le 1er août 1914, 140 000 hommes enregistrés dans les casernes en quelques jours. Des hôpitaux pour les blessés et des camps de prisonniers ont été mis en place. Des milliers de réfugiés ont également été pris en charge dans la région, notamment dans la vallée de l'Ubaï. Marseille est devenue un port de guerre pour le transport des troupes coloniales et du matériel. En février et mars 1915, Toulon et Marseille seront le point de départ de l'armée française d'Orient vers les Dardanelles puis Salonique. En 1928, les raffineries Shell s'installent à Berre, puis les raffineries de Provence Futur Total) à Mède, commune de Châteauneuf-les-Martigues, qui marque l'implantation de l'industrie pétrochimique autour de l'étang de Berre. Depuis 1933. Après la captation du pouvoir en Allemagne par les nazis, la Provence, comme la commune Sanary-sur-Mer, devient un lieu d'exil pour de nombreux intellectuels allemands et autrichiens. Des réfugiés espagnols issus de la retirada, après la guerre d'Espagne, seront également concentrés dans des camps dans le sud de la France, notamment au Mille et assisteront. Le 10 juin 1940. L'Italie déclare la guerre à la France. L'armée française contiendra les Italiens jusqu'à l'armistice du 24 juin, dans ce qui sera appelé la Bataille des Alpes. Les Alpes maritimes, les Basses Alpes et les Hautes Alpes seront partiellement occupées. Après le débarquement des Alliés en Algérie et au Maroc, opération Torche, la résistance s'organise dans plusieurs maquis, dont celui du Mont-Ventoux. Toute la Provence est alors occupée, principalement par l'Italie jusqu'en septembre 1943, puis intégralement par l'Allemagne. Le 15 août 1944, les forces alliées débarquent en Provence, opération Dragoon. Le 2 décembre 1959, la rupture du barrage de Malpasset entraîne 423 morts, et des dégâts matériels considérables. Elle reste comme l'une des plus grandes catastrophes civiles françaises. La Provence, est en grande partie réunifiée avec le décret du 2 juin 1960, qui crée la région Provence-Côte d'Azur-Corse. La croissance des années 1960 ralentit un peu, avant la période d'ébullition sociale de mai 68, très suivie dans la région, où Nice et Marseille, viennent de se doter de nouvelles facultés. Le 14 mai, la grève commence à Sud Aviation de Cannes, puis s'étend aux cheminots de Marseille blancarde À partir de 1962, la Provence accueille une partie des rapatriés français d'Algérie. À la fin de la guerre, les besoins importants en logement pour héberger les rapatriés entraînent la création de villes nouvelles, Tel en Provence en 1966. La région pratique une discrimination positive, réservant aux arrivants jusqu'à 30% des places en HLM. Démunis et arrivant sur des bateaux surchargés, ils furent mal reçus à Marseille, notamment par les Dockers CGT, un quart des bien débarqués et volés ou endommagés, et le maire socialiste Gaston Deferre, qui déclarait en juillet 1962 dans la Provence, Marseille à 150 000 habitants de trop, que les pieds noirs seraient se adaptés ailleurs. Ils contribuèrent cependant à l'essor économique des années 1960. Des villes méridionales auparavant endormies ont connu un coup de fouet économique qui a contribué à leur dynamisme actuel. Montpellier, Perpignan, Nice. Et particulièrement Marseille. La Corse est détachée de la région par le décret du 12 janvier 1970. Les territoires de la Provence, compte tenu de leur division passée, conservent également leur spécificité propre qu'a pu donner l'usage du temps. C'est ainsi que le Dauphiné l'ancien comté de Nice, ne se reconnaissant pas dans la Provence, obtiennent que leurs drapeaux locaux apparaissent aux côtés de celui de Provence, et non sous une unique bannière provençale.